Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau fan game sur Pokémon, Pokémon Apollo version. De ce que j'en ai lu, c'est un fan game où vous contrôlez un membre de la team Rocket. C'est tout ce que j'ai su, ce dont je me suis renseigné. Bon, les touches. Et j'ai entendu dire que c'était un fan game assez bien réussi. Il me semble cependant qu'il est toujours en démo et qu'il n'est pas fini. Bon, on va découvrir tout ça. C'est une première expérience, je n'ai absolument pas testé. Donc, tu es le nouvel employé. Bienvenue dans la Team Rocket. Mon nom est Giovanni. Je suis chargé de cette organisation qui est de capturer les Pokémon. Ce monde est habité par plusieurs endroits, par des créatures appelées des Pokémon. Pour certaines personnes, blablabla. Et pour moi, je vole les Pokémon et je les revends. Bien, maintenant, parle-moi un peu de toi. Dis-moi, est-ce que tu es un garçon ou une fille? On va prendre fille, tiens, pour... Ok. Maintenant, ton nom, quel est-il? Si je peux prendre un nom au pif, en fait. Je peux pas prendre un nom au pif. Non. On va s'appeler... Joël, tiens. Parce que j'ai pas d'idée. Bien, tu t'appelles Joël. Ceci est ton ennemi. Ouh, comment il est badass. Il travaille... he's been working his way through. Il travaille sur nos, sur notre chemin depuis Kanto. Tu dois stopper nos plans. Comment s'appelle-t-il? Il y a beaucoup de choix. On va l'appeler celui-là. Red, tu dis? Son nom est Red. Je sais pas du tout ce qu'il a marqué. Joël, ta carrière avec la Team Rocket commence maintenant. Un monde de crime et de capitalisme comme basé sur les Pokémon commence. Maintenant, c'est parti. C'est ultra moche par contre. Comment, qu'est-ce que c'est que cette machine? Ah, la musique pour les plus nostalgiques d'entre vous, ça doit vous rappeler le souterrain de la Team Rocket près du casino. Qui était à Celadopol si je me trompe pas. Ah, quelle musique, quel souvenir. Tu es en retard. Va dans le bureau de Giovanni. Mon dieu, cette musique. Oh, ça me rappelle tellement de souvenirs. Tu me dis mais... Oh, c'est tellement bon cette musique. Joël, pourquoi tu étais si longue? Je voulais de toi un peu de ponctualité pour les prochains retards. Enfin, pour nos prochains retards. Qu'importe. Je t'ai fait demander aujourd'hui pour commencer ta carrière. Suis-moi. Tu vois-tu ces trois Pokéballs sur la table? Un membre de Team Rocket a volé ses Pokémon. Et tu dois en choisir. Et tu en as besoin d'un maintenant. Mais souviens-toi. Don't get too close, Pokémon. I'll throw nothing more. Mais n'oublie pas d'être trop ouvert. Reste ouvert. Les Pokémon sont des outils, rien d'autre. Alors nous avons le choix entre un Abo, un Smogo et un Tadmorph. Alors, Abo, Smogo et Tadmorph, c'est tous les trois des types poison. Je vais quand même prendre Tadmorph. Parce que voilà. Oui, je prends Tadmorph. Maintenant, regardons si tu es bon avec ce Pokémon. Monte les escaliers et va battre les personnes qui se trouvent en haut. Ceci est ta première mission. Alors voyons voir cependant le Tadmorph que j'ai.
Alors, type poison, attaque, poison, gaz, pound et harden. D'accord, ok. Nous avons kidnappé une infirmière. Elle soignera tes Pokémon gratuitement. Ah ouais. Alors, petite incohérence cependant. Un sang de Pokémon. Bah, après tout, pourquoi pas, ils peuvent aménager l'endroit comme ils veulent. Hein. Mais c'est bizarre. Tu n'aimeras jamais me battre. Je ne sais plus si cette musique là c'était pour la musique de la Team Rocket. Un ratata. Vite. Un gaz poison. Mimique. Non, ma défense baisse. Alors chose à faire après, ce sera d'augmenter la vitesse de la vitesse du texte, parce que là elle est extrêmement lente. Un Osferapti, zut. Vampirisme si je me trompe pas. Ce n'est pas très efficace. Une victoire assez rapide et efficace. C'était nul. Jamie a raison, tu m'as battu. Bon. Tu ne me battras pas la prochaine fois. Ouais. Voilà, voilà. Oh putain, oui, il faut vraiment que j'augmente le texte là. Donc on va faire un tour 10 secondes dans les options. Option. Ah bah oui. Ah bah oui. Fast. Voyons, on va quand même changer, on va mettre un petit peu de boon. Sonde mono stéréo, s'il te plaît. Battle, voilà. Là, ça devrait aller beaucoup mieux, je pense. On va faire la petite save qui peut être utile. Hop, j'ai save le game. Et on est parti pour le deuxième combat. Je suis en mission, pas toi. J'ai envie de dire. Sand throw. Sablette, ouais. Sablette, sablette. Je ne sais plus si elle est sensible au poison. Bon, déjà, il va être empoisonné. Griffe. Zut. Putain, la musique est géniale, je trouve. Ah, je suis ambiancé de fou. Level up. Un Nidoran. Bon bah Nidoran, c'est la bite, j'ai envie de dire, parce que c'est normal. J'ai une 120 tuiles dans mes missions. I'll go on the next one. Je dois aller au prochain. Et ça c'est le et ça ce sont les prochains. C'est les prochains méchants.
Ouais, je pense que je vais aller doucement. Ça contraste parfaitement. Vous passez de la musique de... La musique de Team Rocket jusqu'à un centre Pokémon, là. L'atmosphère musicale, elle change, mais direct. Ah, ça change direct, là. C'est même plus... C'est plus la même ambiance. Ah, tu sens que le... ça va changer. Alors, ok, donc il y a plein de diagrammes et de textes. Je suis un favori de Giovanni. Je ne sais plus comment il s'appelle dans la version française. Un hydrant. Oh putain, alors ça c'est mâle ou femelle? Je crois que c'est femelle. Si je dis pas de conneries, c'est femelle. Mais je pense en avoir dit une. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, tous les jeux que je présente, en général, sauf certains jeux, mais c'est assez rare aussi, ou à Malos, se trouvent sur RomStation. RomStation qui est gratuit, qui est disponible dans la description. Ça prend 5-10 minutes à télécharger, et c'est tout. Faites vos plays, allez-y, c'est moins cher que gratuit. Comme dirait notre... notre caster, un des casters francophones du web, Mr. MV. Et hop, level up. Mid slap, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être une attaque poison. Pas encore. D'accord, il y a un problème. Il y a un problème, meuf. Oh mon dieu, des gémeaux. D'abord, je traîne un peu. Grimmer, c'est un tas... Oh le salaud! Il a un tas de merve! Alors, Metslav, Ground. Ah, c'est lance-boue. Genre, c'est efficace. Ah, mais ouais, mais si tu fais défense, par contre, non. C'est super efficace! C'est super long surtout. C'est ultra long. Là, c'est le combat le plus long que je viens de faire. Ça dure au moins une minute. Alors d'habitude ça dure au moins 40 secondes, large. Alors par contre j'aimerais voir juste un truc, Joël là, ma carte. Ah on peut gagner des badges, je pense que... Alors les badges, il me semble que vous les gagnez en faisant des missions. Alors par contre je n'en dirai pas plus parce que... à vous de découvrir. C'est le but. Bon, avant de s'attaquer peut-être au boss, on va save. Donc en fait, je vais faire tout ça avec un seul Pokémon. Ah, c'est JC et c'est James. Oh, la référence. C'est parti pour le combat double, mais tout seul. C'est complètement con ce que je viens de dire. Ah bon. Donc en fait, ils vont me sortir les starters de départ, c'est ça. Je vais battre Abo, Smogo et Tanman. Mettre cela dans tes dents. Un salaud. Mais ce n'est pas efficace. Prends ce Mud Slap dans tes dents ultra efficace. Donc maintenant je sais que les attaques de type Boo très efficace contre le poison. J'ai envie de dire là les ennemis sont moins chers que gratuits.
Ah mon dieu, qu'est-ce qu'il me l'a fait? Constriction? Non. Ouais, c'était constriction. Donc du coup, dernier tour de constriction. Et à chaque fois, je baisse son... comment c'est? Précision accuracy. Il me semble que c'est précision. Et level up niveau 8. Trop bien. Ensuite, il va m'envoyer... un smogo. Ouais, ils vont m'envoyer... c'est bien ce que je pensais. Ah merde. Ah, ça ne fonctionne pas. Ah voilà qui est désappointant. Tiens, prends une attaque charge. Smog. Ah. Chauve. Bon, il va me faire ça. Oui, c'est les attaques les plus lentes du monde. Ils me font un point de dégâts, surtout. C'est vraiment très efficace. Là, ça me fait 2 points. Et voilà. Allez, vas-y. Esquive de l'attaque. Qu'est-ce que tu vas faire? 121 points. Ah, peut-être le level up à la fin. Ah, le miaous. On l'avait oublié, le miaous. Attaque griffe. T'arrache, le miaous. Allez, vas-y. Précision en moins. Qu'est-ce que tu vas faire? Tiens, gaz, poison, même. Comme ça, tu vas souffrir lentement. Connard. Raté mon attaque. Je vais continuer le mud slap. Histoire de faire baisser sa précision au maximum. Ça n'a pas l'air de marcher, bordel de merde. Je vais le baisser jusqu'au bout. Ce qui aurait été bien, c'est que dans les starters, on pouvait aussi choisir le miaous. Allez, vas-y, esquive de l'attaque. Bon bah là je finis au scratch. Non pas scratch. C'est... ah merde, c'est pound. Putain, il arrive toujours à m'attaquer, ce salaud. Allez, dans tes dents. En même temps, les membres de la Team Rocket, les meilleurs. Avec des Pokémon niveau 5. J'ai envie de dire test. Comment un sous-fifre nous a abattu. Tu es vraiment spécial. Alors par contre, je crois que James a un petit problème. Giovanni savait que tu nous battrais. Il nous l'avait... he told you to give you this. Il nous a dit de te donner ceci. Un Mew. Un Miaous. Miaous. Ah bah juste... bah voilà. C'est bon. Retourne voir Giovanni. Alors par contre... je crois qu'il y a un petit problème là, monsieur le développeur. Je crois que James a un problème. Il a un problème, les mecs. Oh, un miaous qui tient. Ça me marie. Alors, blablabla. XP, non. Qu'est-ce que c'est? Trainers, nanana. Item. Ah, un objet pour peut-être avoir plus d'argent. Mais de l'argent délicieux. Bon, bah, on a un miaous. Un miaous. Putain, un miaous et miaous. Un miaous. Voilà, j'arrive à le dire. On a un miaous. Comme quoi, c'est bien fait. Le jeu est bien fait. Donc je retourne vers Giovanni. Je descends les escaliers. Oh Joël, tu l'as fait. Je savais que tu battrais ces clowns. La récompense pour tout ça, prends ce Pokédex. Why not? Ah, j'ai fait oublier. Je te dois aussi. You'll be doing a lot of. Je dois faire beaucoup de marches. Prends ces chaussures Team Rocket officielles. Tu pourras courir à la vitesse de la lumière. Bien, maintenant que cela est fait, nous pouvons commencer à discuter de ta première tâche. Il y a un homme à la cité, enfin à la ville de Cerulean, who was a valuable TM, ok, qui a un TM, je veux ce TM, donc j'ai fait une copie.
et dont je ferai une copie que je vendrai à des prix vraiment très hauts. Vas-y et prends ce TM. Tu seras les successeurs de Jesse et James. Jesse et James s'attendront à la route 25. Avec la nouvelle tâche et la récompense. Alors je vais y aller parce que ça a l'air intéressant. Tant pis si ce truc se durera une heure, mais il faut montrer au moins jusqu'au premier badge. Parce que c'est intéressant. Ah ça y est, James a retrouvé son. Ok. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est mettre le Meowth en première position parce que il n'a pas combattu le pauvre. Oh, c'est une tag battle. Mais qui vas-tu faire? Une battle tag. Oh yeah. Zambat et Venom, donc il y a ouais. Ouais, Mimitos. Vite, attaque Scratch. Ah non, ça veut dire ouais, d'accord, je vois. Bait, attaque Scratch sur le tas de morts, bien sûr. Sur lui, toi, bait, attaque poison gaz, non. Pardon, non. Ah, ça doit être défense, ça, d'accord. Attaque Mud Slap sur le Mimitos. Oh non, il utilise. Oh, je crois que ça fait mal. Non. Ça sert à rien, en fait. Putain, j'ai que des Pokémon femelles, je ne le remarquais. Critical hit et précision vient de baisser. Tiens, prends encore ses attaques. Tu vas décéder. Super Sonic, ok. Forest Side. Ok. Prends ses Med Slap, tu es mort. Vite, allons tuer ce. Ces trucs avec des attaques normales cependant. Une critical hit pour la deuxième fois. Je suis confus. Alors attention, et utilise charge et c'est le jajai. Voilà, c'était génial. J'ai gagné 800 thunes. Ah, il faut que je remonte Ah, tu es là! Johnny m'a dit de te donner ceci! Des Pokéballs! D'accord, et c'est ce que je disais, nous sommes donc à Celadopol. Celadopol Police. Ah bah allez, vas-y! Ah, je n'ai pas de Conkeyce! Ah, j'ai une Conkeyce! Allons faire un petit. Un petit jeu avant de nous quitter. D'accord. Allez, vas-y. Prenons du sépia. Et donc maintenant, j'ai une superbe. Ah, j'ai de superbes Pokémon sur ma carte. Ah, c'est vraiment le GG absolu. Mais moi, j'aimerais jouer en fait. Je peux pas jouer, bordel. Et donc, c'était Celadopol, ouais. Oula, c'est un homme, c'est. Eh oh! Non, un instant. C'est dans cette direction. What? Ah, oh. Ah ouais. Ah, bah cool, il y a même un centre Pokémon. Bonjour, je suis innocent. Je suis innocent, il ne s'est rien passé. Au revoir, ceci est un cosplay. Dans cette direction. Donc là, c'est la route 7, bordel de nom. Mais non, c'est la route 7, putain. Cette porte est fermée. Je ne peux pas lire ce panneau. Ah, mais c'est bon, calmez-vous. Calmez-vous. Tu n'as pas de. Tu n'es pas un pédestrien, je ne sais pas ce que c'est. Ah mon dieu, la police est ici. Je suis dans le Kikia. Vite. Ah putain, puis je me prends un
intimidation, voilà. Tiens, ok, je vais me prendre misère. Tiens, prends ce coup de griffe acéré. Pendant que je joue ensuite mon tas de morve. Morsure. T'es con, ça me fait rien. Tiens, prends-toi ce mud slap. Et super effective. Counter the fire type. Oui, oh yeah, my English is very well. Par contre, là, je vais décéder. Bon, bah, je crois que je suis décédé. Ah, ton attaque a manqué. Parce que tu t'es pris des mud slap dans tes dents. Et ça continue encore et encore. Bon, là, il rate toutes ses attaques, donc c'est gagné. C'est gagné. Oh non, une potion a été utilisée. Mais qui va gagner dans ce combat rempli de suspense? Si je perds, je arrête par contre. Parce que je suis un putain de mauvais perdant. Quel combat intense! Oh mon dieu, là, je vais faire une prise de risque et faire charge. Et je gagne! C'est incroyable, le combat le plus long du monde. Mewtwo passe. Putain. Miaouss, j'arrive pas. Et j'apprends morsure que maintenant. Très bien. Je vais avertir les autres gardes. D'accord. Ah merde. Est-ce que j'ai perdu? Merde, est-ce que je vais me prendre... J'ai donc perdu. Je pense que j'ai pas besoin de faire le combat pour qu'on devine que je suis dans la grosse merde. Non mais je suis dans une grosse merde, hein. on va pas se le cacher. Donc je vais donc arrêter ici la vidéo. J'espère quand même que cela vous aura plu. Je me prends un double intimidation avec le snapper. Trop bien. J'espère que cela vous aura donné envie d'y jouer. Le jeu est donc Pokémon Apollo version. Vous incarnez donc la Team Rocket. Et comme vous le voyez, ne faites pas ce que je fais. Sinon, vous vous faites arrêter par l'agent Jenny qui doit avoir sans doute un démonos ou une saloperie dans le genre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de liker, de mettre un commentaire si vous avez des autres idées de fan game ou de rétro, de jeu rétro à me proposer. Dans ce cas, je le ferai. De vous abonner, de me suivre sur Twitter @Remus1. Bon jeu et à la prochaine.